Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une trace pour le support, connue également via son compte fonction AlloxSup. Cette fonction permet de récupérer un ensemble d'informations sur une application X3. Cette trace peut être transmise au support lors de l'ouverture ou l'étude d'un ticket afin de faciliter sa résolution. Dans cette trace, écrite dans un format XML, on peut trouver des informations telles que les versions, les codes d'activité, les sites et sociétés, le nom des traitements spécifiques, le nom des points d'entrée utilisés, la valeur des paramètres généraux, le nom des traitements standards mal placés, la taille des tables, l'absence d'index, bref, un ensemble d'informations précieuses sur le contexte du dossier qui permettent souvent de réaliser une meilleure analyse d'un problème. La fonction se lance via le menu Développement, Utilitaire, Divers, Trace pour le support. À son lancement, vous pouvez saisir un numéro d'incident ainsi qu'une adresse email. Une fois lancé, l'utilitaire génère un fichier support.xml dans le répertoire du dossier de référence X3 après approximativement une minute. Si le serveur de messagerie est paramétré, la fonction envoie également un email au destinataire référencé à son lancement. Dans le cas contraire, récupérez simplement le fichier sur le serveur dans le dossier X3. Enfin, sachez que vous pouvez lire plus facilement son résultat via un utilitaire nommé X3 Diagnostic, présent sur la base de connaissances. Je vous indiquerai le lien en dessous de la vidéo. Merci, bonne journée à tous.